Eh bien, bonjour Yves. Salut. Yves Pujol. Enchanté. Né un 12 novembre. Eh oui. C'est bientôt ton anniversaire. C'est bientôt. Ouais. Bon, un scorpion. Scorpion. Ah ouais. On ne te présente plus. Musicien, chanteur, humoriste, auteur. Ah, il y a ça aussi. T'as fait le conservatoire. C'est vrai aussi. Le groupe Florent. C'est vrai. Le groupe Aioli. Oui. Qui bientôt va fêter ses 30 ans. Eh oui, le 18 novembre 2022. Les One Man Show. Oui. Le Covid, c'est pas toi. Le Covid, j'étais à l'origine, mais après t'as laissé tomber. Voilà. À part ça, comment vas-tu ? Ben écoute, ça va. On est en pleine bourre. On reprend après après un an et demi de d'arrêt forcé, ouais. Puisque on a été bloqué à la maison. Hein. C'est les artistes. Il faut le rappeler aux gens, sont été les premiers arrêtés et les derniers relâchés. Les derniers relâchés. Ouais. Donc c'était très très compliqué pour moi et pour tous les artistes en général. Donc on s'est pas beaucoup plaint, mais on a souffert comme beaucoup. Mais donc on est content de retrouver le chemin de la scène. On a pu faire une belle saison cet été, puisque avec le plein air, avec le c'était les vacances d'Aioli. Ah ouais, ça a été une des retrouvailles, mais tout le monde était vraiment heureux, quoi. Ouais, j'ai vu, ça a swingé fort cet été. On a fait une belle tournée, les gens, ils avaient envie d'avoir de la fête, de la musique, de rire, tu vois, et les masques étaient tombés déjà, donc c'est plutôt pas mal. Et l'hiver, tu rentres en salle. Voilà, l'hiver, Aioli est toujours présent, s'il y a besoin, on est là. Mais c'est vrai que c'est plutôt la partie one man show qui prend le dessus. Et là, je fais le tour de France, hein, le tour de France avec ouais. avec les spectacles. Et tu sors les dossiers. Alors je sors les dossiers. J'ai trois spectacles qui tournent. Ouais. J'adore ma femme. Oui. Que j'avais écrit avec Georges Wolinski. Une affaire de famille que j'ai écrit avec Éric Carrière des Chevaliers du Fiel. Et Pujol sur les dossiers que ouais. j'ai écrit en collaboration également avec Éric Carrière. Donc, voilà. C'est des belles rencontres quand même. Tu aurais pensé un jour pouvoir. Non, franchement, parce surtout que. Surtout Wolinski. Ouais, mais Wolinski, c'est incroyable. Wolinski, tout est incroyable, hein, de la rencontre à la fin dramatique, tu vois. Ouais. C'était un monsieur, oui, qui est venu voir le groupe Aioli. On était produit par Paul ouais. Lederman à l'époque. Je vois que tu es ému quand tu ouais, parles. Ouais, c'était, ouais. Franchement, ça me. Tu ouais, vois, c'était un petit bonhomme qui faisait de mal à personne, ouais. tu vois, qui était assez, assez craintif, tu vois, et vu ce qui a dû se passer, parce que j'y étais pas, mais ouais. en imaginant la terreur et le côté horrible de la chose, il a dû être. D'ailleurs, sa femme dit qu'il a dû peut-être avoir une crise cardiaque avant qu'il ait une balle, quoi. Mais tant mieux. Et je souhaiterais que ce ouais. soit ça, quoi. Donc, c'était une belle rencontre avec ouais. Wolinski. Et après, Carrière. Donc, Éric Carrière, pareil, Éric. Que je connais depuis plus de 30 ans. Voilà, il a toujours été bienveillant avec Francis aussi, hein, les deux. Ouais. Ils ont toujours été bienveillants à mon égard et je les en remercie chaque jour. Et quand ils ont pu m'aider, ils m'ont aidé. Et quand j'ai besoin d'eux, bah, ils m'aident. Et puis voilà, c'est bien d'avoir des gens comme ça qui sont des vrais gens. Mais je crois qu'on dit souvent que les gens du Sud sont superficiels. Mais moi, je crois que non, au contraire. Non, je crois qu'on se donne. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Beaucoup de gens s'entraident ici. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, non, on a un côté qui paraît superficiel ouais. quand on n'est pas de la région. Mais quand on est dans la merde, on a toujours des amis sur qui compter ici. Quoi. Et ça, c'est sûrement vrai ailleurs. Oui, mais c'est ça l'est aussi chez aussi, nous. Oui. Hein, c'est le côté genre, chez nous, on n'a pas d'amis, c'est l'amitié qui n'existe pas. Non, c'est complètement faux. Quoi. C'est complètement faux. Comment on fait. On va parler un peu de toi parce que là on sait que tu passes dans les salles au Casino Ailleurs qui est ouais. partenaire avec nous, mais on va parler un petit peu de toi parce que tu prépares les 30 ans d'Aioli. Ouais, belle. Alors ça sera pas au Casino Partouche, mais ça sera au Zénith. Oui, parce qu'il fallait une grande salle, encore plus grande que le Casino, hein, qui est une jolie salle de 600 places. Mais il y a 10 ans, pour les 20 ans du groupe Aioli, on a fait plus de 3000 personnes. Donc ça ne rentrerait pas au Casino Partouche. Donc on a décidé de le refaire au Zénith. Ouais. Donc 30 ans d'existence de chansons, d'humour et d'amour. C'est une sacrée histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais. Il y a un peu de la famille là-dedans. C'est ma famille artistique, oui. Ouais. C'est les mêmes rapports qu'avec une famille, parce qu'on se connaît bien, on peut se choper, on peut ne ouais. pas être d'accord, mais comme on s'aime, tout va bien, quoi, tu vois. L'amitié, c'est important pour toi. Bah, c'est un métier de partage, tu vois. Donc, ouais. Il faut que sur scène, il faut que tu puisses vraiment partager des vrais trucs avec les gens, quoi. Et c'est vrai que moi, quand j'ai créé Aioli il y a 30 ans, je sortais de groupes que j'avais, soit de bal, soit, tu vois, ouais. de piano bar, où
j'étais pas forcément content de jouer avec les gens à qui je jouais, mais je le faisais parce qu'il fallait gagner ma vie. Ouais. Et j'ai monté Aioli exprès à côté pour me dire, voilà, mais ça, je vais faire ça avec des gens bonnards, avec la musique qu'on veut, et on fait ce qu'on veut, et je dois rien à personne. C'est mieux que That Factor ? Ah oui, tu vois, j'en sais des choses. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Même si j'ai jamais été facteur. Hein, mais bon. T'as essayé, non? J'ai essayé de tout faire, mais comme je suis bon à rien, en fait. Enfin, je m'aperçois que je suis bien que sur scène, en fait. Donc, Mais c'est rigolo parce qu'on dit qu'il est artiste parce qu'il était bon à rien. Mais pour être un artiste, il faut être très bon. Oui, parce qu'on dit qu'on est bon à rien parce que comme on se focalise sur l'artistique, ouais, sur la scène. Sur la fin, quoi. Du coup, on n'apprend rien d'autre. Ouais. Donc, c'est pas qu'on n'est pas bon. Moi, je suis pas bon en électricité, mais tu me mets 6 mois avec un électricien et dans 6 mois, je sais faire des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme on s'est jamais intéressé à autre chose parce que depuis moi, j'ai toujours fait que ça comme métier. Ouais. Ça fait 33 ans que je fais ce métier, tu vois, et j'ai toujours fait que ça. Donc du coup, je dis que je suis bon à rien parce que j'ai jamais pris le temps de faire les trucs, mais bien sûr que... Tu trouves que autant de plaisir ? Ouais. Année après année ? Ouais, et j'ai toujours aussi peur, j'ai toujours... Non, c'est vraiment... Track, ouais. Ah ouais, ça c'est un truc qui est fou, ça. Ah ouais. Parce que depuis toujours, j'ai le track, moi, ça vient... C'est un quart d'heure, 20 minutes avant, quoi. Voilà, c'est pas 2 jours avant, c'est pas... Mais le track, c'est aussi une façon d'être concentré, quoi. Tu vois, de te dire, allez, il faut que je sois bien, il faut que j'y aille, il faut pas que je me trompe sur le truc, il faut que je fasse la bonne entrée, tu vois. Et moi, le track, ça me rassure parce que c'est-à-dire que je suis dans ma bulle, quoi. Et dans ma bulle, je peux me planter, mais j'ai mis toutes les chances de mon côté pour pas me planter. Parce que si t'as pas le track, tu dis, ah, ça va, attends, je téléphone, oui, j'arrive, tu vois, et que tu rentres sur scène, d'un coup, t'es pas dedans, quoi. T'es pas dedans, ouais. C'est comme un sportif, tu les vois, les sportifs, hein, quand ils rentrent, ils sont comme ça, il y en a qui se signent, ils sont concentrés, tu vois, ils se motivent, tu vois. Donc, nous, c'est pareil. Et moi, je le traque hein, tout le temps. S'il y a beaucoup de monde, je dis putain, il y a beaucoup de monde. Tu vois, s'il n'y a pas beaucoup de monde, je dis putain, il n'y a pas beaucoup de monde. Il va falloir aller les chercher. Ouais. Si c'est un truc où les gens ont payé assez cher, je dis putain, ils ont payé cher quand même, il faut que ce soit bien. Si c'est un truc gratuit, comme on fait l'été, je dis putain, c'est gratuit. Et peut-être qu'ils vont se lever au bout de 3 minutes parce qu'ils en ont rien à foutre, tu vois. Ouais, ouais. Donc tout est prétexte à traque. Tu auras le traque le 18 novembre à 20h30. Ouais. Ouais, un peu avant quand même, parce que là, c'est un gros truc. Mais si on a bien travaillé, parce qu'il y a ça aussi, hein, il faut aussi, tu travailles bien en amont, que ce soit l'artistique, hein, tes chansons, tes textes, la mise en scène, les costumes, les trucs, que c'est carré, que c'est répété, bon, tu t'enlèves un peu de trac dû à ça, quoi, tu vois. Donc après, tu auras toujours le trac de dire, putain, merde, il y a quoi après ça, tu vois, c'est comme à l'école, en fait, hein, c'est quand tu passes un truc. Est-ce que ça va être le truc le plus fou que tu auras réalisé? Où tu en as fait des trucs fous? Non, ouais, j'ai fait pas mal de trucs. Non, on a fait des premières parties à l'Olympia, des Chevaliers du Fiel, tout ça. Ça, ouais. C'était assez fou aussi. Mais ce serait le plus gros en mon nom et en nom d'Aioli, oui. Parce que j'ai fait déjà des 6000 personnes, 7000 personnes en première partie des Chevaliers du Fiel. J'en ai fait, c'est impressionnant. Mais j'étais en première partie. Les gens étaient là pour les Chevaliers. Et les Chevaliers m'ont gentiment offert un quart d'heure avant eux. Et je l'ai c'est apprécié. C'est dur, ça, d'être première partie quand même. Hein. C'est dur, mais c'est souvent, les gens sont souvent bienveillants. Voilà, surtout dans l'humour. On a un public qui a, allez, bon an mal an, entre 25 et 75, donc c'est pas des gamins de 12 ans qui vont hurler, tu vois. Donc ils sont assez bienveillants sur toi, ils t'écoutent, et puis comme tu es présenté par les Chevaliers du Fiel, donc du coup, les gens ils sont bienveillants. C'est pas facile, mais ça se passe souvent bien. 33 ans que tu fais ce métier, tu es un peu nostalgique ? Ben non. Moi, tu sais, j'ai une devise qui dit que c'est toujours mieux demain, moi. Tu vois, j'aime le passé, j'aime tout ce que j'ai fait, et j'aime regarder tourner le livre, mais je suis toujours plus en recherche des pages qui arrivent, quoi. Tu vois, parce que les pages qui arrivent, elles sont plus belles encore que celles qui sont passées, quoi. Tu vois, parce que tout est à créer, tout est à faire. Donc, nostalgique, non, je suis content du parcours que j'ai fait tout seul et avec Aioli. Mais non. Après, j'ai des très, très bons souvenirs de tous les moments qu'on a passés. Le 113, tous les mercredis avec Aioli, le cactus, tout ça. C'était des soirées de folie, mais elles sont aussi belles que celles qui sont là et celles qui vont arriver, quoi. Tu crois encore au Père Noël ? Ah ben, si tu y crois pas, pourquoi tu y crois pas, toi ? Il existe, je l'ai vu, moi. Ah ouais ? Ah ouais, je l'ai vu. Ben là, il m'a dit, bah, allez, je t'offre le Zénith pour 2022. Tu vois, c'est cool, quand même. Ah ouais, d'accord. Il est gentil. La fidélité, tu y crois ? Fidélité, c'est un mot qui est primordial pour moi, mais dans tous les domaines, hein. Amoureux, amitié, avec les animaux. Tu vois, je trouve que la fidélité, non, je trouve que c'est
une des valeurs de l'homme qui est la plus importante, quoi. Être là quand l'autre a besoin et pas trahir. Non. Est-ce que tu pourrais être polygame? Je crois pas. Non. Non, je crois pas. Franchement, déjà sexuellement, une, j'ai du mal. Faire deux. Je savais que tu allais me dire ça. S'il faut faire deux, je suis fatigué déjà, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du permis à points? Du permis à points? Ouais. Qu'est-ce que je pense du permis à points? C'est une bonne question, ça. Eh oui. Je me la suis jamais posée, en fait. J'ai bien fait de venir pour l'avoir. Du permis à points, non? Ouais. Pff, moi, je ne mettrais pas, ouais. Ça fait chier, ouais. Ça me fait chier de perdre un point pour un kilomètre de trop, quoi, tu vois, kilomètre heure de trop. Tu ouais. vois, souvent, t'es contrôlé à 56, ils t'enlèvent 5 points de bonus, là, et donc voilà. tu es flashé à 51, en fait. Voilà. T'es verbalisé à 51. Verbalisé à 51. Ça fait chier, ouais. C'est énervant. Et j'enlèverai plus de points sur les mecs qui dépassent 40 ou 50 kilomètres. Mais je crois que ceux-là, on leur enlève le permis. Le permis, voilà, mais voilà. Je serais peut-être un peu plus dur encore. Mais quand tu dépasses, t'es à 60 au lieu d'être à 50, ouais, moi je prendrais bien l'amende, qu'on me tire l'oreille en me disant attention, vous avez dépassé, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Mais t'as des gens qui perdent leur permis, qui roulent. Moi, souvent en faisant pas attention. Ouais. Moi je roule pas tout le temps, mais il y a des gens dont ouais. c'est le métier. Un point, un point, un point, t'as fait 12 fois, t'en as plus, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de l'envie? Tu l'as toujours? Ah oui, mais non, mais ouais. sinon ça sert à rien. Sinon, si t'as plus d'envie. Bah, je trouve que c'est triste, quoi. Tu vois, c'est là, je me fais pas peur, mais ne plus avoir d'envie, oui, ça me ferait peur. Parce que tu avances avec l'envie. Si tu n'as plus envie de rien, tu es mort cérébral. Hein. La paresse, c'est un sport pour toi? Ah ben, la paresse, c'est un style de vie. C'est un art de vivre, la paresse. Non, mais c'est en plus, c'est pas parce que tu es paresseux que tu es fainéant. Tu vois ce oui. que je veux dire? Oui. C'est deux trucs différents. Paresseux, c'est que tu prends le temps de faire les choses tranquille, feignant, c'est-à-dire que tu ne les fais pas, quoi, et que peut-être quelqu'un va les faire à ta place, ou tu vois, et que finalement, le travail qui a été fait, il n'a pas été fait. Mais tu peux faire du boulot en étant paresseux. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, oui, mais... Je suis à jeun, je précise que je suis à jeun. La gourmandise, pour toi, c'est quoi? Ah, ben la gourmandise, c'est la vie aussi. Hein. Pas avoir de gourmandise, pas avoir d'envie de se faire plaisir. Tu penses à la gourmandise culinaire, tu ah parles oui, culinaire, ah ouais, bien oui, sûr, oui. Non. De ne pas se faire plaisir au niveau culinaire, c'est compliqué. Pourtant, moi, je ne suis pas un fin gourmet, hein. Je suis assez basique dans mes trucs, mais, j'aime me faire plaisir en mangeant, quoi. Même si je mange souvent les mêmes choses. L'orgueil, il en faut? Il en faut, il ne faut pas qu'il soit mal placé, quoi. Il faut qu'à un moment donné, il puisse effacer l'orgueil pour faire place à la sagesse ou à... Ouais. Ou pardon, ou voilà. il faut qu'il soit là, mais qu'il sache s'effacer quand il faut. Ouais. L'avarice, ça t'inspire quoi? Ah, ça, je ne comprends pas l'avarice. C'est vrai. Non, c'est un truc que je ne comprends pas. J'ai envie de dire aux gens qui sont avares et là, je leur rappeler qu'un jour ils vont mourir. Parce qu'il y a des fois des gens qui oublient qu'ils vont mourir un jour, tu vois, et ils passent leur vie à oublier quand les cercueils ne transportent pas de confort. Exactement. Exactement. Mmh. Et il faut vivre. Alors. Encore une fois, être économe, c'est pas être avare. Tu peux être économe, non, faire attention au truc, te faire plaisir. Mais non, mais l'avarice, ça sert à rien, quoi. C'est l'inverse, c'est donner qui est. La colère, ça t'arrive? Rarement. Pour un gars du midi. Ouais. La colère. Non, je suis rarement en colère. Je suis quelqu'un qui est assez assez diplomate, assez. Tu vois, c'est d'ailleurs au début avec ma femme, c'était des discussions. Elle me dit, mais tu te mets jamais en colère, toi? Je dis, ben non. Tu vois, il faudrait vraiment qu'il y ait un truc. Non. Non, non, je pense que je fais toujours passer la diplomatie, la discussion avant. Donc du coup, je suis rarement à ce stade-là de la colère. Je vais te demander si tu as commis quelques péchés avouables ou pas. L'amour à plusieurs? Non. Mentir à ta mère ou à ta femme? Ma femme, non. À ma mère, oui, pour sortir, pour avoir un peu de sous. Mais bon, j'étais gamin, comme tout le monde, je pense. Hein. Voler dans un supermarché? J'ai fait dans une boulangerie, mais j'étais jeune aussi, j'avais 8 ans. C'était un malabar ou un truc, voilà. Hein, tu vois. Alors, il y avait les malabars, voilà, à l'unité. Exactement, tu vois. Alors, t'as la main qui traîne, hein, qui, voilà, mais c'est vraiment. Bon, faut pas le faire, mais c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Les gros mots, ça fait du bien? Ah ben, gros mots, c'est parti de notre langage. Tu vois. On a fait d'ailleurs une chanson avec Ayuli qui s'appelle Putain d'Adèle, conte de Manon. On explique que chez nous, c'est pas des gros mots. Voilà. Non. C'est pas des gros mots. Partout ailleurs, c'est des gros mots. Voilà. Tu vois, j'explique dans un de mes spectacles, je dis que le mot enculé, qui est un gros mot partout en France, ça n'est pas forcément chez nous.
Parce que tu prends un mec qui gagne, par exemple, au loto à Quimper, il gagne 500 000 euros. Tu as son collègue qui vient le voir, il dit « Oh là, tu as gagné 500 000 euros, je suis content. Ouais. » Chez nous, non. Chez nous, tu gagnes 500 000 euros. C'est un enculé. Oh, tu es un enculé, toi, 500, tu vois. Et c'est pas une insulte. C'est, voilà. Donc, on ne se rend plus compte. Mais moi qui voyage, des fois, je me fais surprendre. Avec les gens, ils me disent « Oh, comment vous parlez ?» Excuse-moi. Excuse-moi. Est-ce que tu peux avouer ton dernier péché ? C'est que j'avais dit hier soir que j'arrêtais à deux tiponges et j'ai fini à cinq. Mais bon, c'est pas un gros péché. Hein, non, c'est pas un gros péché. C'est pas bien, mais bon, c'est pas grave. C'est trois points sur le permis. Ouais, voilà, mais je conduisais pas. Donc, mais bon, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, allez, je calme un peu. Et puis, non, je pensais. Mais bon, ça va, allez, c'est pas grave. En vrac, là, ton plat préféré. Mon plat préféré, j'en ai deux qui sont des plats qui ne font pas maigrir, c'est le couscous et la pizza. Donc tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, j'aime la gourmandise, mais je me contente de trucs très basiques, mais qui sont bons pour moi. Ouais. Ton dessert préféré ? Alors, je ne suis pas dessert particulièrement, mais j'aime beaucoup la mousse au chocolat. Voilà. S'il y en a un que j'aime, c'est celui-là. Ton moment à toi préféré ? J'aime bien me retrouver devant un match de l'OM. Ah, ça c'est bon. Ou du RCT. Tu vois, voilà, j'aime bien ça parce qu'à un moment donné, c'est... Parce que moi, j'ai un métier, quand tu es auteur, quand tu écris, tu n'arrêtes jamais. Ouais. Tu t'arrêtes jamais parce que quand tu es en voiture, tu penses à un texte, tu te rechantes un truc et tu, en fait, c'est fatigant. Tu arrives à la fin de la journée, tu es crevé parce que ton cerveau il a jamais arrêté. Tu vois, c'est pas comme un mec qui finit le boulot, il a fini, il pose le truc, il rentre chez lui, il passe à autre chose. Quand tu crées, quand tu écris, tu n'arrêtes jamais. Même moi, quand je m'endors, tu vois, j'ai des phrases qui, tu vois, et c'est vrai qu'il y a des moments comme regarder un match de foot ou jouer au foot parce que je joue en loisir avec des copains ou en vétéran. Et ben, c'est des moments où je suis sur le truc et je pense pas à autre chose. Et ça me fait une heure et demie où j'ai déconnecté. Et c'est du luxe pour moi. L'acteur ou le comédien qui te ou le chanteur qui te fait vibrer. Alors moi, mon idole absolue au niveau musique, c'est Paul McCartney. Ouais. Voilà, que j'ai eu l'occasion de croiser une fois et c'était. Le souvenir. Ça se doit être quelque chose. Quand même. Ah ouais, c'est bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré 12 secondes, mais j'ai quand même en train de faire ça une photo avec lui, c'était génial. Voilà, lui, c'est l'idole absolue internationale. Après, au niveau des comédiens, moi, je suis très fan de comédiens américains comme Tom Hanks ou Nicolas Cage, tu vois, des gens comme ça, des gens qui sont Nicolas Cage, qui sont des acteurs que je trouve incroyables. Après, en France, au niveau humour, moi, j'étais bercé par Bedos. Tu vois. Bedos, ça a été mon maître sur l'insolence, sur l'irrespect, sur l'irrespect et le respect en même temps. C'est-à-dire qu'il est irrespectueux tout en étant respectueux de qui il faut, tu vois. Et j'aime bien, moi, les gens qui ont les humoristes qui ont un message derrière l'humour. Tu vois, c'est ce que j'ai retrouvé chez Chevalier du Fiel. Oui. Chevalier du Fiel, malgré le côté très premier degré, très con, si tu décryptes un peu, il y a toujours un message et social et humaniste. Et ça, j'adore ça. Il y avait ça chez Bedos. Et voilà, donc ce sont les gens que j'aime beaucoup, beaucoup. Quoi. Ton pays préféré ? Ah, ben la France. Hein. Et ta ville ? Je veux dire Toulon, parce que j'ai grandi à Toulon, mais j'aime beaucoup Saint-Mandrier. Voilà. J'aime beaucoup Saint-Mandrier. C'est un village. Qui m'a adopté quand j'étais très très jeune. Et j'y vais souvent, j'y suis en ce moment d'ailleurs. Et voilà. Mais je vais mettre ça globalement sur le Var. Quoi. Voilà. Hein, le Var est quand même notre belle région. Si tu devais créer un nouveau monde, tu le créerais sans frontières, tous égaux ou sans belle-mère ? Alors, je suis mal placé pour la belle-mère parce que je suis peut-être un rare cas mondial, mais j'ai une belle-mère super. Donc tu vois. Je peux même pas lui trouver un truc. Elle est elle est gentille. Elle est donc ma belle-mère. Hein, donc non. Après, l'injustice sans injustice, je dirais, parce que c'est y a rien de plus frustrant que l'injustice. Voilà. Et alors sur l'injustice surtout, hein, sur les décès. Tu vois, quand t'as quelqu'un de 30 ans qui meurt, c'est tellement injuste. Ça, c'est bien, voilà. Tu vois ce côté injuste là, ce côté des gens qui méritent, qui n'ont pas eu ce qu'ils auraient mérité. On le voit au niveau des artistes. Ouais. Je dis, mais comment ce mec-là, il n'est pas sorti ? Comment il a fait une carrière ? Comment lui, il est mort en ayant, en étant dans la rue quasiment ? Tu dis, tu vois, cette injustice là. Yeah. Voilà. L'injustice en général, voilà, c'est un peu insupportable. Mais sinon, sans ma belle-mère, sans ma belle-sœur, je peux dire sans ma belle-sœur. Ouais, tu peux le dire. Ça, on va le garder. Non, je plaisante. plaisante. Je me doute. En plus, comme j'en ai deux. Elles ne sauront pas de qui je parle.
Bon, entre le One Man Show, pour être un peu plus revenir un petit peu à ton actualité, entre le One Man Show et Aioli, ce sont deux choses complètement différentes, mais tu les vis comment ? Alors, c'est deux plaisirs complètement différents. Ouais. Et deux plaisirs que j'aime alterner, en fait. Tu vois, quand je suis avec Aioli. Ouais, ça fait du bien de. Ah ben ouais, j'adore passer de l'un à l'autre. Parce que quand je suis tout seul, ben c'est bien, je suis tout seul, je fais mes trucs, je gère mon spectacle comme je veux. Des fois, je saute un sketch, j'en remets un, je m'en vais 10 minutes sur un autre truc, tu vois, je me gère parce que ça concerne que moi, tu vois. Avec Aioli, c'est autre chose. Je le fais ça aussi, mais moi, je fais attention parce qu'il y a des gens à côté. Si tu changes un truc, ils vont dire, attends, il a changé quoi ? Tu peux pas en musique, tu vois. Quand tu finis un morceau, que tu en attaques un autre, si vous attaquez pas le même, c'est pas bon, tu vois. J'ai vécu une soirée avec un très grand artiste et des musiciens qu'on connaît tous les deux, où l'artiste s'est permis de passer du refrain au couplet. Et où... Ah, c'est compliqué. Alors, comment on connaît bien ces musiciens-là ? Ce sont des musiciens, ils sont retombés sur leurs pieds, eux, tu vois. Mais c'est compliqué, hein, quand tu dis, il fait quoi ? Oh là, tu vois, là, tout le monde se regarde, tu vois. Il y avait les cuivres d'un côté, la rythmique de l'autre. C'est plus compliqué pour les cuivres, parce que les cuivres, souvent, ils sont à la note près, et ils jouent ce qu'il y a à la partoche. Ouais. Les musiciens qui accompagnent, généralement... à ce niveau-là, est-ce que ça batterie, ça guitare, basse, s'il faut... Ces gens qui ont en plus l'habitude, ils ont fait du piano bar pendant des années et des années, donc ils ont accompagné des dizaines d'artistes, donc ils savent très bien qu'ils connaissent ces chansons, s'ils repartent sur le couplet, boum, tu vois, ils vont basculer sur le couplet, donc c'est plus facile. Voilà. Mais les cuivres, c'est compliqué, parce que les cuivres, c'est putain, mais ils passaient à quelle mesure, là ? Tu vois, donc c'est compliqué. Voilà, là, ce soir-là, il y avait les cuivres et les cordes. Ça a été. Il faut lever les mains. Ouais, ouais. Voilà. Quand tu sais, c'est une expression qu'on a en musique, c'est tu lèves les mains. Je sais pas. Alors au lieu, il vaut mieux lever les mains que faire n'importe quoi, tu vois, parce que. En parlant de lever les mains, le Zénith, c'est combien ? C'est 6 000 places ? Ça peut aller jusqu'à 8 000. Jusqu'à 8 000 ? Paul McCartney a fait 8 000, donc on fera pas 8 000, quoi que. Donc 8 000, ça fait 16 000 mains levées. Oui, c'est ça. Oui, 16 000 pieds qui tapent. Ouais. Ben écoute, tu sais quoi, on va essayer de te souhaiter, et nous, tu sais qu'on va être là avec toi aussi. Ouais, ouais. 16 000, ouais. Écoute, ça, c'est un objectif. Franchement, en 2012, pour les 20 ans, on a fait 3 000 et quelques. Donc je me dis qu'il fallait au moins faire ça. Ouais. Et tout ce qu'il y aura au-dessus sera du bonus. Mais c'est vrai que je me dis que si on fait 3 000, on peut faire 4. Et si on fait 4, qu'il nous reste 6 mois, on peut faire 5. Et si on fait, tu vois, c'est exceptionnel. Si on commence déjà à en parler. Ah, bien sûr. Les gens, il y a déjà des places qui sont vendues, les places sont en vente déjà. Non. Et puis, je te l'ai dit tout à l'heure en off, mais c'est vrai que c'est, on fait les 30 ans, les 40 ans, je ne sais pas. Hein, tu vois, il faudra que je vienne dans le studio en déambulateur, c'est compliqué, tu vois. La dernière fois que je t'ai vu, je t'ai posé une question. Je t'ai demandé si je ne t'avais pas posé une question, tu m'avais dit, tu ne m'as pas demandé si j'avais maigri. Alors je vais te le demander maintenant. Ah oui. Est-ce que tu as maigri ? Non, mais tu peux être gentil de dire, je trouve que tu as maigri. Mais je trouve que tu as maigri. Voilà, toi, ça ne te coûte rien, et moi, ça me fait passer une bonne journée. Tu vois, et j'arrive à la maison, je dis, tu vois, on m'a dit que j'avais maigri. On s'est quitté là-dessus ? Allez, bien sûr, il faut se quitter. Toujours sur une bonne parole. Tiens, amour. Merci à toi. Ciao. Tu m'as mis en version je suis beau. C'est bon ? On peut y aller ? Ah ouais, ça l'énerve.